Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream. Mes amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans ce stream, mes amis. Un jour, je me ferai plus avoir par ça, mais pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire du live coding Solarus. On va essayer d'avancer sur la prochaine bug fix release. C'est-à-dire qu'on a une liste de bugs. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. À corriger. À droite, c'est ceux qui ont déjà été faits. À gauche, c'est ceux qui restent à faire. Alors, je pensais commencer par celui-là, parce que c'est un crash. Il y en a même deux. Sol main reset crash. Ok, on va voir ça. Donc, ça a l'air assez clair. Il suffit d'appeler cette fonction, set command keyboard binding. Avant d'avoir démarré une partie. Du coup, je me demande comment je vais faire pour la lancer en test unitaire. Peut-être que je peux quand même le faire. On va essayer. Alors, comment il s'appelle ce bug? 1476. Command binding, on va appeler ça comme ça. Set command keyboard binding, ça s'appelle. Auteur, Christopho. Licence. C'est un peu pénible ce truc, l'auteur licence ici, parce que quand on crée une map, il y a deux fichiers qui sont créés. Et c'est pas forcément la même licence dans les deux. Le point date, il est en CC by SA. Et le point LUA. D'ailleurs, j'ai inversé. Lui a en GPL. Voilà. Ok, donc on va faire quand même une map parce que tous les tests unitaires quasiment sont représentés par une map Lua. Enfin, une map de la quête de test. Et on a du code Lua qui va pouvoir vérifier des choses. Donc déjà, il va falloir l'ajouter au projet, c'est mes lists. Non, c'est pas Solarus Quest Editor, c'est Solarus Engine. C'est mec module test add test maps. Ok. Faut que je déclare ma map dans cette liste. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Crash command binding, yes. Mince, je suis pas dans le bon projet. Ok, donc le test se lance, mais bien sûr, pour l'instant, il fait rien. Comment on fait pour quitter la partie? C'est sol. On est obligé de. On peut pas juste quitter la partie. Il faut faire un reset total. Du coup après j'ai plus la main en fait, c'est ça le problème. Il y a peut-être pas moyen finalement. Game.
pas de GameStop. Je crois qu'il y a une feature request pour faire un GameStop. Mais en gros, pour arrêter la partie. Ah, mais je sais ce que je peux faire, je peux créer une autre game. Ouais. Je sais. Sol.game.load. Ne sera pas sauvegardé cette partie-là, c'est juste pour faire le test. Game 2. Alors, donc on va appeler quand même la fonction qui crash. C'est set command qui va binding. On dit le nom d'une commande et le nom d'une touche du clavier. Donc il paraît que ça crache. Effectivement, c'est fault. Oups, j'ai reproduit le problème. Ok, cool. Donc j'ai d'abord regardé le code. C'est dans Solarus run, non, source file. Attendez, il y a tout qui est affiché dans un seul dossier là. D'avoir une option pour afficher les vrais fichiers. Salut Thor Asgard. Ah ouais, le micro est un peu proche du clavier, ouais. Je vais essayer de taper plus doucement, c'est la seule solution. Ça va être la nouvelle version de Qt Creator qui a changé ça. Je suis obligé de faire comme ça, je pense. Bon. Alors, game API. Donc, il y a certaines fonctions de l'API game qui peuvent être utilisées que quand la partie est démarrée. Et d'autres qui peuvent être utilisées avant. Et celle-ci, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas être appelée avant. Donc on va regarder ce qu'elle fait exactement. Alors on récupère la save game, donc là ça va marcher jusqu'à présent. On récupère les paramètres. Ah, par contre c'est là que ça crache. En plus, ce code, il va sûrement complètement changer avec la nouvelle API multiplayer de Greg.
que save game ça existe, mais game ça existe pas. Ça c'est un pointeur nul et je le vérifie pas. Donc c'est un peu bête qu'on puisse pas utiliser les commandes en dehors d'une partie en cours. Set keyboard binding. Et peut-être qu'on peut dans la branche de Greg. Ouais, c'est ça, je fais la correction de bug pour la prochaine bug fix release. Donc par exemple, il y a des fonctions du style pardon, setPosed. C'est des fonctions qui peuvent pas exister, qui peuvent pas être appelées tant que la partie n'est pas démarrée. Ok, donc elle n'a pas d'effet, mais elle fait pas d'erreur non plus. Load delete start is started is suspended. Pareil, set suspended, il n'y a pas d'effet. En fait, toutes les fonctions vérifient que game n'est pas nul PTR quoi. Sauf celle-là où j'ai dû oublier. Ah, par exemple, game start dialog. Ça fait une erreur bien propre. Donc on va faire quelque chose dans le même genre pour tout ce qui est commande. Pareil pour start game over, ok. Par contre, des fois ça finit par des points et des fois non. Voilà, ensuite on a toutes les fonctions relatives aux commandes. Ah, getCommandEffect, lui, il vérifie. GetCommandKeyboardBinding, lui, il a oublié. Donc, par cohérence avec les autres, on va aussi retourner nil en fait. Mais c'est pour rester compatible si vous voulez avec le reste. Je pense qu'on peut faire const. Non, on peut pas. Ou alors const là aussi. Salut Phoenix. Donc là, même erreur. Par contre, quand on appelle 7, là, faut vraiment faire une erreur, non? On va pas pouvoir s'en sortir comme ça. On va réfléchir un peu plus parce que getCommandEffect c'est pas tout à fait pareil. Ça c'est vraiment. Enfin, il n'y a pas de set. Ça dit quel est l'effet actuel d'une commande dans un certain contexte. Après,
Après, on a les get set command binding. Salut Jonathan, salut ZBZH. Get command direction. Toutes ces fonctions. Ah si, lui il vérifie. Alors, c'est pas moi qui écris ce code parce que c'est pas le même coding style. Malheureusement, ils produisent pas d'erreur et retournent une valeur silencieusement. Pas super classe. PHP style, Python style. Je vais regarder si ce que Grégoire a fait dans sa branche. Si j'arrive à trouver. Et ça doit être sûrement dans un fork. Ok, il a une branche multiplayer. Game API. Mais en plus ces fonctions-là, je pense qu'il les a gardées par compatibilité, mais la nouvelle API, elle les utilise plus du tout. Set command machin. Oui, il les a pas changés. Au moins, ça fera pas de conflit. Ok. Donc au final, le choix qu'on doit faire maintenant, il n'a pas tellement d'importance parce que cette API va être obsolète. Elle va rester par compatibilité, mais pas besoin de trop se casser la tête à faire la meilleure API possible. Parce qu'elle va être remplacée par une meilleure déjà. Je vais quand même produire une erreur, je pense. Bon, du coup, j'ai plus besoin du else. J'ai copié ces lignes-là un peu partout. Const, je suis pas sûr que ça marche là. Merde. Parce que là, comme on fait un set. Tac. Donc pareil pour l'équivalent avec les. L'API Joypad. Pareil ici, ça peut être const.
On a déjà vérifié. Du coup, c'est pas peine de faire deux fois savegame.getgame. Ouais. Garder en mémoire. Par contre, là, le code faisait déjà return 0, alors je vais pas changer celui-là quand même. Ok, c'est bon. N'y a pas de thème sombre dans GitLab? Eh, bonne question. C'est vrai que ça serait classe. Oui, Jonathan, j'ai investi dans une chaise de gamer. En fait, le fauteuil de bureau que j'avais depuis bientôt 3 ans, commençait à être bien abîmé. Et à descendre tout seul au fur et à mesure de la soirée. C'était un peu pénible. Alors, get commands direction. Celui-là, il faut que je déclare const. Toute l'idée de cette classe commande, c'était de définir les commandes de jeu, quoi. Quelles sont les commandes de déplacement et ainsi de suite. Donc c'est pas du tout lié à ce qui se passe avant, genre dans l'écran titre et tout ça. Mais la nouvelle API, elle sera mieux et elle permettra de personnaliser les commandes de façon générale. Exactement, Jeannette. Ça me rappelle quelque chose. Alors, on va relancer notre petit test unitaire. Alors, il y a une exception désormais au lieu d'une segfault. Alors, en fait, c'est bon. Il faut que mon test unitaire s'assure que l'exception soit lancée. Alors. Je sais plus trop comment on fait ça. Je pense qu'il suffit de faire un pcall. Mais je vais vérifier. Je trouve des tests qui font la même chose. Genre 889, ça ressemble. J'ai fait une petite recherche sur pcall. Donc faut faire un pcall de. Ça. Et après je lui passe les arguments.
truc dans le genre, ça devrait marcher. Ouais, ça passe. Et donc apparemment il y en a un autre qui ressemble. Sol main red crushes solaris when game simulate command pressed action is used to instigate it. C'est un peu le même crash. Je pense. C'est vraiment un cas un peu tordu. Non, celui-là, je le corrigerai une autre fois. Parce que de toute façon, il a un workaround facile, donc il est vraiment pas bloqué. Enfin, si, je sais pas si c'est facile à reproduire. J'ai déjà commité ce que je viens de faire. Faut que je mette à jour le changelog aussi. Alors du coup celui-là il va disparaître. Enfin il va changer de colonne. Ah oui mais il n'est pas encore dans dev, c'est pour ça qu'il n'est pas automatiquement fermé. Donc hop. Bon, après on peut continuer par n'importe lequel. On a un autre crash ici, ça me dit quelque chose, je crois que j'avais déjà regardé celui-ci. C'est pas spécialement d'une quête à une autre, c'est juste si le tileset de destination n'existe pas. Enfin. Si c'est pas le même que la map d'origine. Copier.
coller. Non, chez moi ça crache pas. Peut-être que c'est déjà corrigé. Hein. Il reporte proprement que ce tile n'existe pas. Ça me dit quelque chose, hein. Je pense que je l'ai corrigé, ce bug. Ah, Dynamic Tile. Ah. Dynamic Tile. Copier. Coller. Non, toujours pas de crash. Ouais, je suis d'accord, Phoenix. Lui utiliser un timer, ça marche, mais c'est qu'un workaround et ça serait mieux de pas avoir le faire. Mais là, c'est pas bloquant pour 1.6.5. En gros, pour 1.6.5, la priorité c'est de faire. De corriger les bugs qui bloquent la sortie de Ocean's Heart. Plus quelques crashs, quelques trucs. Donc il m'en voudra pas de pas avoir corrigé tout de suite. Ce bug non prioritaire, parce que je vais corriger ceux qui le bloquent vraiment, notamment celui-ci, sur le audio. Mais je sais pas si je pourrais faire celui-là en stream, parce que faut que je teste débrancher et rebrancher des écouteurs. Donc après vous m'entendrez plus, je pense. Alors après, il y a aussi des tiles qui utilisent un tileset spécifique. Au lieu de dire tileset de la map, je peux lui dire explicitement celui-là. Du coup, ça ne peut que marcher. Bah oui. Tile dynamique. J'ai quand même essayé en version tile statique, mais. Ouais, ça marche. Ok, donc hypothèse, c'est déjà corrigé. Ça a été créé il y a 7 mois. On n'a pas trop d'infos sur quel était le. Avec quelle version il a reproduit le problème. J'ai regardé le changelog déjà pour voir si j'en ai parlé. Fix crash when generating contours. Fix resize and edit shortcut. C'est pas ça. Bon, la seule chose que j'ai pas essayé, c'est de faire d'une game à une autre, mais. Le truc, c'est que c'est juste du texte en fait, faut le savoir. Quand on fait un copier-coller, c'est juste ça. Donc, que ça vienne d'une partie, d'une quête ou d'une autre, ça va rien changer. Ou alors il y a peut-être une configuration particulière où le pattern existe dans la map de destination mais c'est un autre tileset et les dimensions feraient que ça pose un problème. Mais même ça devrait pas crasher, c'est des situations que j'ai déjà vues.
coup, je vais pas le fermer, mais... No milestone. Ah, on a un petit problème dans le LTTP pack. Probablement que le code a été copié-collé un peu vite de Zelda à RETH. Parce que cette fonction receiveAttackConsequence, c'est une fonction en custom. Donc. Normalement, le code est censé faire attention à ce genre de truc, mais apparemment, non. Alors, si je Solarus LTTP pack. Donc item. C'est chiant ça, je sais jamais c'est dans quel dossier. Inventaire. Et même getHammerReaction, c'est une fonction custom. Elle est définie là. Mais la fonction setAttackConsequence, elle est... il y en a plusieurs armes qu'il utilise dans Zelda RETH, donc c'est peut-être pour ça qu'il a manqué un script ou quelque chose. Ah, c'était défini dans questmanager.lua. Questmanager.lua, c'est le truc qui n'existe plus, justement. Pour une bonne raison. C'est que c'est exactement ce qui se passe là. C'est que quand on copie, colle un script d'un projet à un autre, on ne sait pas qu'en fait, il manque un bout de code venant d'un autre fichier. Donc, j'ai plus ce questmanager.lua. Alors, par contre, ça me dit pas comment corriger proprement. Moi, ouais, j'ai 5 scripts là dans Solarus LTTP pack qui appellent cette fonction qui n'existe pas. Si vous allez voir dans Enemy, il n'y a pas de Receive Attack Consequence. En fait, on peut définir ce qui se passe quand l'ennemi se fait attaquer, mais on peut pas lui dire vas-y, fais-toi attaquer par ça. C'est rigolo ça. To do, the engine should have an event. Game on world changed. Il me semble que maintenant il existe. The map changed. On world changed.
tout ça, je pourrais le virer. Mais il faudra bien tester. Non, j'en ai assez, nos utilisateurs qui sont parfaits. Non, mais là, ce qu'on a vu, ils ont été la plupart de. Ils viennent de Max, donc l'auteur de Ocean's Heart. Et lui, je sais pas qui c'est, lui. Donc, mais il a fait un très bon rapport de bug. Excepté qu'il aurait pu copier-coller au lieu de mettre une image avec le texte. Mais bon. Donc, je suis en train de réfléchir à la façon propre de le corriger. C'est juste un require que tout le monde appelle, que tous ces scripts vont appeler. Ouais, tout à fait, Jonathan. On est encore pour quelques mois quand même. Apparemment, ça prend beaucoup de temps. Aussi, ils sont bloqués, comme je disais, par des bugs de Solarus. Donc faut qu'on s'active. Comment je vais dans OLB par exemple? Je pense que c'est exactement la même chose. Receive attack consequence. Donc lui, il n'y a pas de quest majeur, mais je pense que c'est dans meta ennemi. Ouais, ici. Et qui c'est qui appelle cette fonction meta? C'est features.lua, logiquement. Ouais. On va faire pareil, hein. Oui, et donc je vais ouvrir une deuxième fenêtre d'éditeur.
Ah oui, voilà, lui, il met tout dans le Quest Manager, donc ça, c'est mal. Au moins, dans celui-là, c'est un peu mieux séparé. Donc, est-ce que j'ai besoin de tous ces trucs? Ça, non. Ça, non, c'est spécifique à ce jeu. Ça aussi. Après, le vrai problème, c'est que ça devrait être dans l'API. En fait, ça simule exactement ce qui se passe quand il y a une collision entre l'ennemi et une arme. Et une arme built-in du moteur, genre l'épée. Ou alors le boomerang. Il y a un boomerang built-in encore dans le moteur, il me semble. Donc ça devrait être proposé par le moteur. Ok. Donc pour être vraiment safe, tous les items qui sont justement qui font appel à cette fonction, donc c'est des armes custom, et ben ce serait bien qu'ils appellent qu'ils require ce script. Voilà, on n'a pas encore de système de gestion des dépendances et tout, mais au moins pour l'instant, ça aidera un peu. Ah bah lui est bien documenté, hein. Donc on a le hammer, le hookshot, powder. Attendez, il y a magic powder et il y a powder tout court. Ah, c'est des entités tout ça, oui, d'accord. Ice Beam et Fire. Ouais, Phoenix, je suis d'accord. C'est pour ça que là, je les require dans chaque script. Comme ça, les gens qui veulent un script précis, genre ils veulent piquer le marteau du pack, ils vont copier-coller ce script-là, et ça va tout de suite échouer. Et là, ils verront assez vite pourquoi. Et pourront rectifier. Ils verront qu'il faut qu'ils prennent aussi ce script-là. Mais un jour, on aura une vraie gestion des dépendances.
Il se passe quoi si je lance ce jeu? Pourquoi il dit 1.7.0 là? À peu près, ouais, Phoenix. Alors pour tester ça, il faut... Ouais, il faut qu'on ait le marteau et qu'on blesse un ennemi. C'est quoi ça, Dungeon Entrance? Ok. Donc on va mettre un ennemi. Modèle. Par exemple celui-là. Il va être chiant à attraper, n'empêche. On peut pas prendre un ennemi qui bouge pas. Ou qui bouge pas vite. Et donc on va avoir besoin du marteau. Inventory. Hammer. Ça va prendre le marteau. Je suis mort. Lol. Puissant lui. Faut que je prenne un ennemi du début du jeu en fait. Ah non, pas lui. J'aime pas lui. Il me fait peur. Oh, alors. Ils sont les ennemis du début du jeu. Tout bête. Serpent du début du jeu là. En plus le marteau je pense qu'il va pas s'afficher dans l'inventaire. D'accord, c'est bon, laisse-moi passer. Ah si, c'est bon. Ok, bon moi ça a marché hein. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Alors je vais faire le commit. Fix using custom weapons on enemies. Choisis 41. Petite bouche. Voilà, ça c'est fait. Donc celui-là, il est important pour
Ocean's Heart. Je peux pas le faire en stream sans débrancher mon micro en fait. Ou alors je branche un autre casque. Après, le fixe n'est pas non plus tout à fait simple. Il faut utiliser une extension de OpenAL pour gérer la déconnexion, reconnexion du périphérique audio. Là-dedans. Ils ont déjà fait beaucoup de recherches. On sait comment le corriger. Ouais, je ferai hors stream parce que j'ai peur que ça casse le son du stream. Je pense que c'est faisable, hein, J'ai un autre casque là disponible qui est pas branché, mais bon, on va pas tenter le diable. En fait, oui, Phoenix, les ennemis sont censés être figés pendant le dialogue du trésor, mais il se trouve que ce trésor particulier n'avait pas de dialogue. Ce qui est d'ailleurs pas top maintenant que j'y pense. Le pack, pour l'instant, il y a aucun dialogue. Sauf le dialogue de la sauvegarde. Donc c'est aux utilisateurs de définir leur dialogue. Tu as trouvé le marteau, blablabla. Ou la masse des titans, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ouais, le jeu se met pas en pause si tu brandis sans avoir de dialogue. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Avant, c'était même pas supporté de pas avoir de dialogue, soit ça faisait une erreur, soit il restait bloqué, je sais plus. Alors. Ok, donc ça, on passe pour le moment. Import missing resources is broken. Importing resources from old quest should drain converter. Or should display a warning, at least. Le titre est pas très bon en fait. C'est un titre qui propose une solution, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Vaut mieux parler du problème dans le titre. Importing resources from old quest can cause incompatibilities. C'est compliqué à écrire. Incompatibilities. Ok. Et celui-là, il a l'air plus gênant, c'est que en fait la feature marche juste pas. Alors, comment on va tester ça? Par exemple, la tuto quest, elle est basée sur. Sur la initial quest, donc sur une sous-partie du resource pack. Donc par exemple, si je
Fais importer fruits et sources pack vers tuto quest. Identifié manquant, il devrait en trouver plein. Voilà, 426 candidats trouvés. Et le bouton importer propose d'importer 425 éléments. J'ai pas envie de pourrir ma tuto quest parce qu'en plus elle est même pas sur Git. Donc je peux pas juste faire git clean. Je vais créer une nouvelle quête. Fichier importé d'une quête. Fruits et sources pack. Identifié manquant. 426. Déjà, pourquoi il propose que 425 sur 426? Mystère. Et autre mystère. Enfin, il y a encore une plus grosse différence dans ce qu'il rapporte lui. Il dit 384 fichiers trouvés, mais le voilà, candidat trouvé, mais il propose d'en importer que 264. C'est un peu étrange. Salut Lousprod! Ouais, Phoenix, t'as peut-être raison sur l'état du trésor. J'ai l'éditeur d'ouvert là. J'ai importe test LDA ou LBSE, je peux fermer quand même. J'ai regardé déjà dans le code. C'est quoi sur mes projets? Ok, Service Quest Editor, SRC, widget, import dialog. Find missing button triggered. Selected source path, blablabla. Pourquoi il y a un to do là? C'est déjà ce que je fais normalement, non? Missing source path. Donc c'est une QString list. Le problème du moment, c'est que quand on fait fichier importé, apparemment ça fonctionne pas bien. D'une part, on cherche les fichiers manquants de la. C'est-à-dire, ça te sélectionne tous les fichiers qui sont dans la quête de gauche et pas dans la quête de droite pour pouvoir les importer. Sauf que, apparemment, bah déjà, là il dit 426 et là 425. Alors que pour moi ça devrait être le même nombre. Et ensuite, quand on les importe, d'après le rapport de bug. Ils n'arrivent pas tous. Il faut le faire plusieurs fois pour que ça marche. Là, je suis en train de regarder le code pour voir comment on met à jour les deux nombres qui sont affichés et pourquoi ils seraient différents, tu vois. Donc là, on a un missing files count, label qui est mis à jour et le bouton appliquer aussi. Dans button box. Donc là on met à jour le label ici avec le nombre de manquants. Et à mon avis, il doit y avoir une différence entre le nombre de fichiers sélectionnés, enfin le nombre de fichiers trouvés et le nombre de fichiers sélectionnés.
Est-ce que je suis en debug? Je parie que non. C'est un build type. On va recompiler. Attendez, je voudrais quand même que ce soit lui le projet actif. Compiler Solaris Quest Editor. J'ai rien changé. J'ai juste mis des espaces, super. Ok, compiler. Bonsoir Nitram. Pourquoi il n'y a que 22 fichiers à compiler, c'est pas possible. Bon, il faut au moins qu'il corrige qu'il compile celui-ci. Ouais, non, c'est pas un debug build. Nettoyer le projet Solaris Quest Editor. Compiler le projet Solaris Quest Editor. Ça va prendre un petit peu de temps. En attendant, on va pouvoir examiner le code. Bon, 162 fichiers, c'est pas la mort. Je me demande s'il est en train de compiler en parallèle. Je pense que oui, parce que là, mon ordinateur, il est devenu super lent. Ouais. J'ai compilé plus lentement. Parce que je suis en train de streamer. Ah oui, il y a Mimi qui clique à côté, oui, ça c'est clair. On entend les perruches? Non. J'espère pas. Quelle horreur. Ok, donc ça compile. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, on va regarder le code. À mon avis, le bouton importer bidule truc, lui, il se met à jour automatiquement quand la sélection change. C'est logique en fait, parce que quand on fait une sélection, il se met à jour. Il se met pas à jour que par rapport à identifier manquant. Ça doit vouloir dire que sur les 426, il y en a un qu'il n'a pas réussi à sélectionner. Oulala, il y a un bug dans le pack là, il y a des choses qui sont pas déclarées dans la quête. Ah, mais je pense que c'est pas dans. Ces fichiers-là, ils doivent pas être encore dans Git. Donc, c'est pas vraiment un bug. Ok. À propos de programmation, cet après-midi, t'as commencé à coder Super Mario Bros. NES en Python. D'accord, tu te mets au développement de jeux, c'est cool. Tu me montreras ça à l'occasion. Bon, en fait, ça va pas m'aider de mettre un breakpoint ici. Faudrait que j'arrive à reproduire sur un plus petit projet.
Donc, frais au sens pas que c'est un gros truc. Si je prends sur le Quest Editor Initial Quest, normalement ça va être exactement la même quête. Donc 0 trouvé. Si je prends Sample Quest peut-être. Il y a quand même beaucoup. Sais ce que je vais faire. Je vais supprimer les fichiers de la sample quest provisoirement. Supprimer la moitié des dossiers là. Maintenant il dit encore 50, 63 contre 58. Donc je vais en supprimer encore. Contre 14. On va pouvoir commencer à regarder à la main ce qui se passe. Donc lui, il prétend avoir trouvé 17, mais on n'en a que 14 sélectionnés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors est-ce que ça a fini de compiler? Oui. Du coup, je vais lancer en debug. Mais j'ai rien changé. Non, il croit toujours que c'est pas un debug build. Effectivement, c'était release, je sais pas pourquoi il a pas pris en compte. Ça explique pourquoi il a pas recompilé la première fois. Bref. Bon, du coup, je re-recompile. Find source path not in destination quest. Ah, je pense que je sais d'où ça vient. C'est tous les fichiers qui s'affichent pas dans l'arborescence. Par exemple, dans j'ai des fichiers de backup. Jeu. Solaris Sample Quest. C'est marrant, ils les affichent pas là. Ces fichiers-là, en fait. Ok. Donc, celui qui a raison, c'est le 14 et c'est pas le 17. Donc, en gros, faut les filtrer les 17. Il n'y a plus que 14. Donc au lieu de faire dire 17, ben, on va dire selected getSelectedPath.size. J'attends que la compile se finisse de l'autre côté. Donc après, ça n'explique pas du tout le deuxième bug. Il y a deux bugs. Donc ça, c'est ce que je viens de corriger. Ah, clicking on the import items button does absolutely nothing. Bon, ça c'est pas cool.
Then clicking on identify missing a second time. What? Et là, ça affiche encore un troisième nombre. Hey, salut Flicky. Ça fait longtemps que j'ai promis à Zeldo que je devais jouer à son jeu en stream et j'ai toujours pas fait, donc je me sens un petit peu coupable. Mais ouais, en plus si vous faites des speedruns, c'est trop cool. Ok, ça compile encore. Et un truc qui peut être source de problème, c'est que le expand to path là. Expand to path. Ça expande que de un niveau, ça, non? Enfin, ça expande que depuis le la racine de la quête. Ah non. Oui, on appelle expand to pass. Initial source path. Non, mais c'est bien ça, ça expande que la racine. Find source path in blablabla. Lui, je pense que lui va faire aussi des expands, c'est obligé. Ok, lui s'occupe pas de l'arbre essence, il regarde directement les fichiers. Donc c'est fait après, je pense. C'est un truc qui est pas très simple parce que pour l'instant l'arborescence elle n'existe pas. Et donc là quand on clique là, il va la construire à la demande quoi. Par rapport au nom des fichiers qui ont été trouvés sur le disque. Donc je veux bien imaginer que cliquer plusieurs fois ça donne des résultats différents. Enfin je comprends qu'il puisse y avoir des bugs dans cette zone. Manquant. Il s'est rien passé. Ouais, déjà, il y a un bug de sélection.
Il dit 8. Ok. Donc j'ai un peu reproduit, j'ai reproduit son bug en fait. Quand je clique sur importer, il se passe rien. Mais c'est parce que la sélection elle marche pas bien. Il sélectionne que les 4 premières colonnes, pas la 5e. Alors normalement c'est censé être des sélections par ligne. Et quand je fais la deuxième fois, cette fois ça fonctionne. Parce que les items existent bien. Et une fois que c'est bien sélectionné, on arrive à importer. Sauf qu'il dit 8. Je pense qu'il dit 8 parce que... Et qu'il doit pas compter les dossiers. Non, dans ce cas il devrait dire 12. Donc je sais pas pourquoi il dit 8. On va déjà s'occuper de ça. Parce que c'est le plus facile des deux problèmes restants. Merde. J'y étais, voilà. Donc il prend get selected path. Et je transforme en 7. Ah. C'est à cause de ça en fait. SourcePath7.remove et après SourcePath égale SourcePath7.toList. Ok. Donc le problème, le fait qu'il dise 8 là, c'est parce que comme on a des dossiers sélectionnés, il va en interne, il va importer celui-ci, ensuite juste le dossier. NPC, mais ça fait toujours pas 8. Animal et bombe. Non, ça fait que 4. Comment il peut arriver à 8 alors? En gros, c'est le fait que sélectionner ça. Merde, là, il n'y a pas fait de warning. Supprimer trop de choses. En gros, si j'importe tout ça, c'est exactement la même chose que si j'importe ça. Alors, le nombre qui est affiché là n'est pas le même, mais le nombre de fichiers importés à la fin c'est le même quand même. C'est pour ça qu'il peut y avoir une différence. Donc il faudrait que dans le dialogue de confirmation, j'affiche le nombre d'éléments sélectionnés. Et pas le nombre d'éléments après filtrage des dossiers et tout là. Remove his children. On fait quoi de ce truc source path en fait? On fait
Import path. Ok. Ok, donc en fait, on va distinguer QStringList UnixSourcePath. Après, on le sort. Là, on affiche celui qu'on avait dans l'interface, mais après en interne, nous on utilise celui-là. Qu'on y a trouvé, importer 14 éléments. Bon, il se passe rien parce que ça bug, mais si je clique une deuxième fois, 14 éléments seront importés dans votre requête. Voilà, ok, annulé. En vrai, en interne, il en comptera que 1, 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi ça a affiché 8 quand même. C'est peut-être encore un autre problème. Ouais, et puis la sélection, quand elle arrive automatiquement, elle se fait pas bien. Enfin, quand je lui demande de sélectionner des choses qui sont pas encore dans l'arbre, il les sélectionne pas bien. Il sélectionne que les 4 premières colonnes. Ça, c'est déjà un problème que j'avais vu il y a longtemps. Ça arrive aussi dans l'arbre principal ici. Bah, genre là. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais déjà, au moins là, ça sera déjà moins confusant pour l'utilisateur. Au moins, il reporte que le nombre correct de ressources est bien importé. Moi, je croyais que même ça marchait pas toujours. Donc alors, du coup maintenant ma quête elle a bien les trucs. J'en fais encore une nouvelle. Comment on crée un dossier? Ah oui. Importer manquant, 14 candidats trouvés. Find missing button triggered. Set selected path. Donc c'est ça qui marche pas très bien. Ça marche pas très bien quand c'est pas encore expand.
chacun des passes. On essaie de trouver un index, donc est-ce qu'il est déjà dans l'arbre? Si oui, on le sélectionne, et ça, ça marche. Ça, c'est sûr que ça marche. Mais on fait quand même expand index.parent. Expand to pass, il sélectionne quelque chose, lui. Donc là, on va chercher récursivement tous les parents jusqu'à tomber à la racine. Et donc, on les développe tous. Et après, model get file index. Oui, maintenant on a un index. Mais du coup là, cette safety pass. Quand on est dans ce cas-là, c'est bon, l'index existe déjà. Quand on est dans ce cas, je vois pas à quel moment on sélectionne en fait. Parce que là, on prend une sélection vide. Pour moi, il manque un deuxième. Il faut refaire ça. On devrait on pourrait inverser. Bon, j'ai déjà commité ce que je viens de faire avant de tout casser. Expand, qu'est-ce qu'il fait exactement? Git review expand. Sinon, je peux faire un expand all, mais bon. Non, c'est mieux comme ça. Donc, moi, je voulais essayer de faire que si l'index n'est pas valide, je le crée. J'expande jusqu'à cet index et ensuite il doit être valide, on espère. Mais ça, je sais pas pourquoi on fait ça.
Hey, salut Akadrim. Expand to path semble ne faire qu'ajouter les paths à la liste à importer. Non, c'est ça, il fait des vrais expand. Donc ça s'appelle le expand de Qt review. Oui, non, c'est sûr, ça fait trop longtemps les streams de live coding. Bon, c'est pas facile, hein, ce truc. Ah oui, on peut avoir un index qui est valide sans que le parent soit expand. C'est pour ça que on fait expand index.parent. Il peut très bien exister déjà, mais être juste collapsed. C'est pour ça qu'on fait quand même ça. Ok. Donc je pense que le code est bon et que malheureusement on a un problème sur la sélection par ligne qui est dû à complètement autre chose. Qui est dû au fait que notre modèle. C'est un QFile System Model, c'est un modèle compliqué sur lequel j'ai rajouté des colonnes, mais d'une façon compliquée. Ah bah tant mieux, Akadrim, t'as progressé. Bon, si je fais deux fois de suite. À mon avis, la solution, ça va être de le faire une deuxième fois avec un timer. Truc affreux. Je le fais juste pour vérifier si ça marche. Comment ça marche déjà?
Bon, je vais pas garder ce code, hein, c'est beaucoup trop affreux. Mais c'est juste un test. Ça fonctionne. C'est comme s'il y avait un problème avec le nombre de colonnes en fait. Genre 4 colonnes au lieu de 5 colonnes. En fait, c'est un modèle qui est basé sur un QFile System Model. Pour ceux qui connaissent un petit peu Qt. Enfin, c'est un proxy modèle avec comme source modèle un QFile System Model. Source modèle QFile System Model. Et le truc, c'est que quand vous faites un QSort Filter Proxy Model, c'est fait pour pouvoir filtrer, donc c'est-à-dire supprimer des lignes et des colonnes par rapport au modèle source et les réordonner des lignes et des colonnes. Donc en fait on a un modèle source qui automatiquement détecte le système de fichiers, s'il y a des fichiers qui sont créés et tout. Et nous on filtre parce que on n'affiche pas tous les fichiers. On n'affiche pas les extensions, on affiche des choses, des informations en plus spécifiques à Solarus, quoi. Et on a plus de colonnes, et les colonnes affichent des infos différentes par rapport au QFile System de base. Donc, il se trouve que le QFile System modèle de base, il a 4 colonnes et pas 5. Et en fait, c'est hyper dur d'ajouter une cinquième colonne. Et donc, ça marche, sauf que ça marche pas très très bien. Du coup, je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais pas dû hériter de QSort Filter Proxy Model, mais juste de QProxy Model, QAbstract Proxy Model, voire carrément de QAbstract Item Model. En vrai, je réécrive complètement, mais c'est une des parties du code les plus compliquées, mais aussi les plus intéressantes de l'éditeur. Faut définir parent, faut définir index, sibling, tout. Au final, j'ai redéfini presque toutes les fonctions, donc c'est comme si j'héritais déjà de QAbstract item model. Le colon count, il renvoie une constante, donc c'est pour ça que je comprends pas comment ça peut bugger. Il devrait jamais s'occuper du colon count du source modèle. Et là, il fait des trucs tellement compliqués pour rajouter cette colonne, c'est tordu. Il rajoute aussi des lignes, hein.
parce qu'il rajoute des lignes pour les fichiers qui sont sur le disque mais pas déclarés dans la quête, par exemple. On en a vu tout à l'heure dans je sais plus quelle quête. Dans Frais Ressources Pack. Ah oui, en plus. Bon, bon, c'est pas grave. C'est sûrement ces manipulations-là qui marchent pas complètement. Je me demande si ce qui se passe si j'héritais de Q abstract proxy model. Sophia, j'utilise plus rien de sort filter, je pense. Ah si, j'utilise peut-être filter accept. Si, j'ai redéfini filter bidule. Bon, j'ai rien dit. Ça serait un gros chantier pour plus tard de réimplémenter ça. Si j'ai un QTimer dégueulasse. Donc le problème que j'ai, c'est que cette histoire de colonne ajoutée là, j'ai plus de fichiers, j'ai plus de projet ouvert. Quand on fait importer et identifier manquant, il n'arrive pas bien à sélectionner les lignes. Bon là, ça y est, il arrive bien parce que j'ai mis un timer qui attend 100 millisecondes, mais c'est affreux. J'ai pas compris, j'ai pas fait annuler là. Annuler. Il devrait pas déjà exister puisque je l'ai jamais mis, j'ai annulé. Un petit problème. Birds.png, identifié manquant. Et pas bird tout court. Je fais importer et annuler. Ah non, c'est dans Entities. Mais y a rien. C'est un dossier vide. Ok, donc l'histoire du filtrage des dossiers, ça a pas l'air de marcher du coup. Quand je dis ok. Il me dit Bird existe déjà. Il essaie d'ajouter deux fois. Sans doute parce que c'est deux dossiers imbriqués. Genre il vient une fois de là et une fois de là. C'est encore un autre problème alors, hein.
Non, non, il n'y a pas de nombre maximum. C'est juste qu'il a... Le problème, c'est juste qu'il a du mal à... Là, comme rien n'est développé, il a du mal à la fois créer l'arborescence et sélectionner immédiatement les éléments qu'il vient de découvrir. Donc il faut que je mette un petit délai pour qu'il soit sélectionné correctement. Non, du coup, alors cette histoire, peut très bien supprimer ça. Par exemple, là, si j'importe NPC, ça marche tout de suite. Si j'importe Animals, ça marche aussi. Et il a recréé le dossier NPC. Si j'importe les deux, ça marche aussi. Si j'importe les trois, ça marche aussi. Je fais la même chose, sauf que la sélection, ça a été sélectionné par le code et pas sélectionné par moi. Je vois pas d'autre différence. Quand c'est moi qui sélectionne, ça fonctionne. Quand c'est identifié manquant qui sélectionne, ça fonctionne pas. C'est dingue. Très intéressant. J'ai permis d'annuler parce que si tu sélectionnes tout par erreur et que tu cliques un peu vite, là, il y a 18 éléments, mais dans une grande quête, t'en as des centaines, quoi. Donc dès qu'il y en a plus que 5, je mets un petit dialogue de confirmation. C'est vrai, ça, Kadrim, ça aurait pu être ça. Et je crois que j'ai supprimé la ligne dupliquée. Finalement, je ne fais plus qu'une fois. Donc c'est moins crade si je le fais qu'une seule fois d'ailleurs. C'était où? C'était dans Quest Tree View. Mais du coup, si j'ajoute un délai comme ça, peut-être que certains appelants ils ont besoin de l'avoir tout de suite. Non, c'est appelé que par import dialogue et par ce code-là. Donc non, faut quand même que je fasse le fasse deux fois. C'est horrible, hein, mais je pense que c'est le workaround que je vais devoir faire en attendant de réimplémenter l'arbre autrement. Je sais même pas si c'est un bug de ma part ou un bug de Qt d'ailleurs. Mais ok, on va revenir dans le dialogue d'import. Et
import button triggered. Je parie que c'est cette fonction qui renvoie pas le même résultat dans les deux cas qu'on a vu. GetSelected path, selected rows. Donc là, on va lancer le debugger pour voir ce qui se passe. Dans le code, il y a section.select et section.select. Ouais, c'est l'API qui est comme ça dans Qt. Ça, c'est un QItemSelection. Si tu veux, c'est une liste de d'intervalles d'index à sélectionner. Donc on construit notre liste d'éléments avec cette fonction qui s'appelle le select. À chaque fois, un index de départ et un index de fin. Donc là, comme on les fait individuellement, bah voilà, on les ajoute qu'un par un. Et après, une fois qu'on a construit notre QItemSelection, on la passe au selection model avec une fonction qui s'appelle aussi select. C'est comme ça. J'arrive jamais à l'utiliser du premier coup, chaque fois il faut que j'aille voir la doc. Alors j'ai lancé l'éditeur. Je sais pas de quoi tu parles, Phoenix. Les trucs sans protocole. Ah. Non, c'est Twitch qui est pourri. J'ai mis un point d'arrêt. Ok, donc là j'ai sélectionné par le code. Ok. J'ai donc 11 éléments dans source path. Source path. Alors, il y a peut-être une histoire d'ordre. Mais non, parce que je fais un QSet. QSet. Ah, attention, QSet, il n'est pas ordonné. Peut-être ça le problème. Il se peut que dans les deux cas, ils aient un ordre différent. Mais c'est que les strings, donc normalement, non. Donc là, on a exactement les 11 éléments qu'on voit sélectionnés. Ça, c'est bon. Maintenant, on a un source path 7 qui a toujours 11 éléments, mais dans un ordre bizarre parce que c'est un QSet, c'est une table de hachage. Et après, il prend le parent de chacun. Voilà. Donc, par exemple, on a celui qui est sélectionné, son parent c'est lui. Et si le parent est aussi dans la sélection, alors on enlève celui-là. Ça paraît logique. Merde, je vais continuer. On va aller directement jusque-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'erreur à ce moment, à cet endroit-là. Donc en fait, là, il est prêt à importer NPC. Donc ça ne marche pas. Il veut effectivement importer en double. Une fois qu'il aura importé ça, qui est un dossier, ça sera déjà dedans. Donc c'est pour ça que il nous demande de confirmer. Il nous dit le fichier existe déjà. Donc là, il y a un problème. Il ne devrait pas avoir lui, ni tout cela. Ok, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Annuler. On va revenir ici. On va recliquer sur importer.
Ok, donc le premier qui est examiné, c'est le dossier NPC. On regarde le parent du dossier NPC, c'est le dossier Entities. Il n'est pas dans la liste, donc on le laisse. Ensuite, source path, NPC Animals. Et le parent, c'est NPC. NPC, il est dans la liste. Donc, on enlève du set. On a enlevé Animals. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. J'ai compris. Je vais vous expliquer. En fait, si tu sélectionnes un dossier, c'est que tu veux importer l'intégralité. Et si tu sais, par exemple, mettons, on va simplifier. Un dossier, le dernier dossier d'une. Le problème, il est avec les dossiers imbriqués, en fait, le bug. Si tu veux importer le dossier Animals, c'est sous-entendu que tu vas importer tout ça avec. Donc, en fait. Si tout ça est sélectionné, le code que on était en train de regarder, il va faire attention à ne pas importer en double ces fichiers-là, parce que si le code il traite bêtement un par un tout ce qui est sélectionné, alors il va importer Animals et tout son contenu. Ensuite, il va importer Bird, mais hop, il existe déjà, il vient d'être créé parce qu'on a déjà importé tout Animals. En fait, c'est pour ça que j'ai du code qui filtre, qui enlève de la liste tous les éléments dont le parent est lui aussi déjà dans la liste. Et le bug, il est lié au fait que quand il y a plusieurs niveaux d'imbrication, là le code il a supprimé Animals parce que il est déjà inclus dans NPC. Après, il examine Bird. Et regarde le parent de Bird, c'est Animals. Et ben Animals n'est plus dans la liste. Parce que j'ai déjà supprimé. Je pense que la solution, c'est de trier cette liste. À mon avis, la liste est pas triée. Mais si, on a vu qu'elle était triée dans le debugger pourtant. Dit qu'on a trouvé importé. Est-ce que c'est un bug que j'ai introduit juste là ce soir quand j'ai créé ce source path set? Non, celui que j'ai recréé, c'est le unique bidule truc. Là, je crée un set juste pour pouvoir faire un contains plus rapidement que sur une liste. Il suffit que j'en fasse un deuxième.
Ça, je touche pas au premier. Je touche que au deuxième. Du coup, là, le dossier Animals, il sera. Le CNPC sera encore dans celui-là. Et le CNPC sera supprimé de lui. Ensuite, on s'occupe plus que de lui. Reconverti en liste, parce qu'on a besoin qu'il soit trié par ordre alphabétique. Ça fait un peu beaucoup de conversion de liste à set et de set à liste, juste parce que Q7 c'est une HMAP. On pourrait utiliser STD7, mais c'est juste qu'on est dans Qt, donc normalement on n'utiliserait pas un set pour des QStrings, mais. Là, je pense qu'on est dans un cas où c'est normal de le faire. C'est propre de le faire. Est-ce qu'il y a un to STD7? C'est to STD list. Mais il y a un constructeur source path.begin, source path.end. Ensuite, on le copie. On fait std7 unique source path 7. Il y a une copie de l'autre. Lui d'ailleurs, c'est mieux qu'il soit const pour éviter une copie profonde là. Quand on fait un for sur un conteneur Qt, il faut faire gaffe. Alors en fait, on va itérer sur source par 7. Comme ça, on est sûr que ça sera trié. Ce sera au moins un peu plus déterministe. On récupère le parent. Et si source path 7 contient le parent. En fait, peut-être que si j'avais parcouru de bas en haut, au lieu de parcourir de haut en bas, j'aurais pas eu ce problème. Même temps, que ce soit un set, il faut qu'il soit trié dans l'ordre alphabétique. Donc si source path 7 contient le parent. Ah oui, alors du coup, c'est point find parent. C'est un peu plus verbeux les conteneurs STL. C'est un peu plus puissant aussi. Alors, unique source path 7.erase. Source path. Donc, du coup, il n'y a plus besoin de faire cette conversion. Plus besoin de faire ce tri. Ouais, on fait un copie du set, donc on copie toutes les QStrings qui sont à l'intérieur, mais copier une QString, ça coûte rien. Il fait que des copies and write. C'est donc ça coûte juste la copie du container lui-même, quoi. Mais c'est quand même mieux, là j'ai supprimé deux sets intermédiaires, enfin deux, il me semble, un ou deux conteneurs intermédiaires. Alors qui d'autre utilise source path en fait? Plus personne ne l'utilise. Pas un tout. Je sais tout, non.
Ok, testons. Identifié manquant. Zéro candidat trouvé, c'est parce que je les ai déjà importés. Ok, bon là ça marche mieux. Bon, évidemment, ils existent déjà, on annule. Bon, ça a l'air de fonctionner. Si je les sélectionne à la main, ça fonctionne. Si je les sélectionne par le code, c'est là que ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait, mais il mettait un dialogue de confirmation par erreur. Ok. Bon, je pense que c'est ok. Plus qu'à commiter ça. Dialogue. Fini celui-là. Après, je suis sûr qu'il y a encore peut-être d'autres petits problèmes. Mais c'est déjà pas mal. Donc ça, je le ferai hors stream. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ça, c'est un petit truc, je pourrais le faire. Ça, c'est plus vérifié dans le code. Optimization request, mais normalement, c'est déjà fait. C'est déjà le cas. Et là, c'est juste de la doc. Ok, bon, j'ai bien avancé. Et si je tente de faire quoi? Entities plus animals dans le même import. Ah! Voilà, NPC plus bird. Ouais, on a bien le problème. T'as raison, l'algo ne marche pas si on a des discontinuités dans la sélection. En fait, il faudrait vérifier récursivement tous les parents. Et pas... Ouais, bien trouvé, alors là... Bravo Phoenix. GG.
Du coup, ce sera pour notre jour. Félicitations, Phoenix, tu as gagné un sub pour cette trouvaille. Y aurait moyen de vérifier de façon plus propre, enfin plus rapide en complexité que de regarder tous les parents. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un edge case. Mais c'est vrai, je corrigerai un autre jour. Ah, ok, du coup, t'as gagné une emote loose prod. Bah voilà, c'est bien, c'est utile. Oui, c'est pareil si on fait entities plus animals. Après, les gens, ils vont rarement faire ça, donc ils tomberont moins souvent sur le bug. Alors que. Ça, c'est hyper courant. Moi, c'est normal qu'ils nous demandent ça. On a déjà un dossier qui s'appelle Entities. Ça, c'est moins normal parce que j'avais tout supprimé, je crois. Pourquoi il dit auteur et licence? Ah, parce qu'on peut pas supprimer Entities. Ok. C'est compliqué cet assistant d'import. Son plus gros problème, c'est que, enfin, ça reste encore très basique. Pour l'instant, il dit pas du tout s'il y a des changements. Il regarde juste si le fichier existe à gauche et à droite, mais s'il a changé à gauche, il dit pas, il le détecte pas que c'est plus le même. Et puis aussi, il va importer que vers le même chemin, quoi. Si jamais votre quête à vous, elle organise ses dossiers différemment, bah vous pouvez pas utiliser ça très facilement. Donc c'est surtout ça les problèmes de l'assistant d'import, c'est que il manque encore quelques features. C'est une nouveauté de 1.6. C'est pratique, mais ça pourrait être encore mieux. Mais donc voilà, 1.6.5 avance bien. On fera un autre stream de développement la semaine prochaine. Demain soir, je suis peut-être là. On verra si je stream demain soir. Sur ce, merci à toutes et à tous. J'espère que ce live coding vous a plu. Je le mettrai sur YouTube. Et en attendant, c'était Christopho et c'est tout pour le moment.